C'est grâce à l'obligeance des motards de la CRS 50 de Saint-Étienne que nous pouvons d'ailleurs vous présenter les principales phases de cette première mi-temps. Les Stéphanois qui jouaient à droite en maillot sombre l'ont finalement emporté sur le score de 4 buts à 1. Devant une équipe du Real Madrid très entreprenante mais peu inspirée à l'approche des 18 mètres. Le Real présentait son équipe au grand complet avec toutes les vedettes sur le plan européen telles qu'Amancio, Santillana, Grosso, Velasquez et sa dernière recrue internationale, l'Argentin Oscar Mas. Fort logiquement, ce sont les Stéphanois, voilà qui est fait, qui ouvrent le score par Hervé Révé. Quelques minutes plus tard, réaction du Real qui va marquer à son tour, mais le but sera refusé à la suite, semble-t-il, d'un hors-jeu. Vous allez voir cette action. Les Stéphanois vont inscrire un second but, vous verrez tout à l'heure, par Larqué au cours de cette première mi-temps, et ils marqueront encore deux buts après la pause. Score final, 4 buts à 1, deux buts d'Hervé Révéli, un de Larqué et un autre de Piazza. Tout cela sous les yeux de 12 000 spectateurs cet après-midi au stade Geoffroy Guichard.